Salut à tous, donc attendez, je vais baisser, voilà le son. Donc c'est parti pour Zelda Oracle of Eglise. Bon, si j'arrive pas à parler déjà. Donc ça ouais, c'est parce que j'avais déjà essayé de faire la vidéo, donc j'avais créé une partie sans faire exprès. Hein. Quoique, attendez, elle est pas commencée. Ouais, elle est pas commencée. Donc allez hop. Donc là, vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment... Exactement comme Seasons. Hein. Même dialogue, tout. Toc. Sauf que là, on se retrouve dans une. Enfin, dans Seasons, on se retrouvait. On entendait de la musique. Là, on se retrouve dans une espèce de plaine. Voilà, on n'entend rien. Alors là, on se dit pour un début de jeu, c'est trop calme. Bon, voilà. Super. Ça c'est con puisque pendant tout le jeu il s'en flippe après les monstres. Donc là vous l'avez reconnu, c'est Impa, la nurse de Zelda, qu'on voit aussi dans Seasons, mais là je vous rappelle que je recommence une partie donc je suis pas en mode Link. Hein. Donc faut considérer qu'elle ne m'a pas encore vu. Hein. Seulement le temps pouvait s'arrêter. J'en dirai pas plus. Donc là vous allez voir. Si on descend, voilà, on est bloqué, puisqu'on a on n'a pas encore d'objet. Hein. On peut pas ouvrir le menu, voilà. Donc on n'a pas le choix. On pourrait peut-être te mettre à côté de la pierre pour la pousser parce que là, tu vois. Voilà, maison de Nehru. Qui est cette fameuse Nehru? Vous allez voir ça. Et voilà, là, ça fait comme dans Seasons. Maintenant, on entend une musique. Voilà, donc voilà la fameuse Nehru. À côté, bah, c'est Ralph, un ami. Hein. Là, il y a des animaux, des gens qui... Je reprends les mots. Qui écoutent la chanson. Et donc là, en fait, la première fois que j'ai eu le jeu, parce que bon, j'étais petit... Celui-là, je l'ai fait avant Seasons. Hein. Donc là, j'étais bloqué ici. Hein. Je veux dire que j'étais bloqué ici. En fait, c'est tout con, quoi. Il suffit de parler à tout le monde, reparler à l'ours. Voilà. Enfin, je crois que c'est un ours. Oups. On le disait, il disait, n'est-ce pas merveilleux? J'ai coupé sans vrai exprès. Donc là, on voit encore un espèce de dessin, parce qu'on peut pas appeler ça une cinématique. Donc vous voyez, c'est vraiment, mais
la même chose que Season, ça. Enfin, à part que c'est pas le même perso, mais vous allez voir, ça a changé. Après, ça ressemble plus trop, quoi. On reconnaît les graphismes, des objets semblables. Enfin, dans l'ensemble, c'est une aventure complètement différente, quoi. Voilà, donc là on apprend que Nehru et l'Oracle des Âges, hors révélation, on s'en doutait pas. J'adore leur barrière sacrée. T'as un caillou avec deux barrières en bois. Voilà, elle va dans le passé, grâce au pouvoir de Nehru. Oui, on va dire que Nehru est beaucoup plus utile dans Edges que Dean dans Season, qui sert à rien en fait. Donc voilà, elle change le passé, ça change le présent. Là, c'est le présent qu'on voit. Donc voilà, par exemple, tous les singes, je sais pas si c'est des singes, hein. Tous les singes disparaissent. Voilà, déjà on voit que c'est beaucoup plus tragique que Season, ça. Voilà, donc on obtient enfin notre premier objet, l'épée.
Voilà. Donc là, si vous voulez voir la maison de Mayrou, hein, je vous la montre d'avance. Mais ça sert à rien d'y aller, hein. Enfin, pour l'instant. Voilà. C'est un arbre, en fait. De toute façon, les maisons de ces Zelda, ils me feront toujours marrer. C'est toujours une pièce, avec un lit ou pas. Des fois, il y a une chaise. Même pas de frigo. Bon, vous allez me dire, un frigo à cette époque, c'est pas... Enfin, bon, on s'en fout. Voilà, donc là on retrouve hein, nos habitudes avec l'épée. Alors je sais pas si ça vous fait ça, mais moi à chaque fois que je joue à un Zelda, j'ai envie de détruire tout ce qui bouge avec l'épée. Enfin, je pète les pannes au jeu. Enfin bon, voilà. Alors là, la différence avec Seasons aussi, c'est que on a déjà les graines sur l'arbre, mais on peut pas les prendre puisqu'il faut la poche à graines. Hein. Voilà, donc classique, hein, le magasin, etc. Donc maintenant je vais parler un peu du scénario. Donc comme Seasons, au début bah, on arrive à cheval, hop, on se retrouve téléporté dans un monde. L'oracle se fait capturer. Et on doit aller voir l'arbre Bojo. Donc pour l'instant c'est pareil, mais c'est à partir de maintenant que ça va changer, vous allez voir. Donc là on va aller voir l'arbre Bojo. Hein. On a vu de passer par ce petit tunnel. Donc là en fait il y a plein de panneaux, mais il y a tout le temps, bon ça m'a énervé quand j'étais gosse là, mais parce qu'il y a plein de trucs là sur les côtés et tout, enfin comme si on pouvait passer en cassant ça, mais en fait on peut pas, hein. Jusqu'à la fin du jeu on pourra jamais passer par là, hein. C'est pas des pièces en fait. D'ailleurs si on regarde le plan, voilà, il n'y a pas de trucs sur les côtés, on peut juste aller tout droit, on va aller voir l'arbre Bojo, et là c'est un arbre femelle. C'est con. Donc oui, voilà, c'est pour faire une petite différence avec Seasons, quoi. Donc ça sera encore notre conseiller, enfin la conseillère, tout au long du jeu, hein, comme dans Seasons. Mais un truc encore que je préfère Edwige à Seasons, c'est que le scénario, enfin, il... Voilà, voilà, il y a des... Comment... Des surprises, quoi. Hop, l'arbre nous commence à nous parler. Dans Seasons, voilà, il nous dit va au premier donjon, hop, et puis on fait tous les donjons un par un et fin. Quoi. Alors que là, il se passe plein d'imprévus, quoi. Et voilà. Et oui, l'arbre est mort. Vous voyez, c'est vraiment différent de Seasons, quoi. Voilà, donc ça c'est pareil, vous les verrez. Si vous regardez derrière le petit truc qui bouge là, enfin le vortex, vous voyez un petit signe. Alors retenez-le bien parce que à chaque fois qu'on voit un signe comme ça, en fait on pourra aller dans le présent ou dans le passé. Enfin pas encore parce qu'on n'a pas encore l'objet requis. Donc là c'est pareil, on avait un sceptre des saisons, là on va voir la harpe des âmes. Voilà, et là on voit, mais c'est un million de fois plus de fois plus sombre que Seasons, quoi. Regardez les couleurs, c'est moins coloré, c'est peut-être moins beau, mais c'est beaucoup plus je sais pas, sombre, beaucoup plus, enfin l'histoire est plus tragique, même la musique là, comment c'est, putain. Ça me rend nostalgique, mais ça me donne envie de chialer, moi. Voilà, là, on y retournera plus tard, parce que, comme vous allez voir... Voilà. Voilà, bon, il y aura la quête des objets, hein, encore une fois. Donc là, en fait, on va se quitter et se retrouver pour la deuxième vidéo juste après. Je pense que je vais en mettre deux à la suite. Parce que j'aurai pas le temps... Enfin, il va y avoir un petit dialogue qui va débuter, là, et ça risque de déborder. Donc je vais éviter que ça arrive et je vais couper la vidéo bientôt. Ouais. Donc on retrouve hein, tous les trucs de Seasons. Voilà les graines gâches là. Bon, comme je l'ai dit, dans Zelda, faut faire le contraste qu'on nous dit, donc on ne plante pas de graines, donc faut en planter une. Voilà, donc là en fait c'est comme s'il y avait deux mondes si vous voulez.
Parce qu'il y a le passé et le présent, et du coup on a deux cartes. Enfin, c'est la même, mais il y en a une dans chaque époque. Et si on change le passé, ça change le présent. Donc il n'y a pas le futur. Hein. Voilà. Bon, ben, on a vu les bases, hein. On va se quitter ici, comme je vous l'ai dit. Ah oui, je suis con. J'ai oublié de vous raconter ce qui se passe. Donc oui, là, on devait... Si on est allé dans le passé, en fait, c'est pour empêcher que l'arbre Beaujo meure. Hein. Donc il faut bien sûr aller le voir. Mais il y a un hic, c'est qu'on peut pas passer. Voilà. Donc voilà, tout est bloqué par des trucs comme ça. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il faut une pelle pour doubler le chemin. Et c'est pour ça que bah, on va au seul endroit où on peut aller. C'est-à-dire à la tour noire. Donc qu'est-ce que la tour noire? Bah, vous allez bientôt voir ça. Donc on remarque quand même que Véran est beaucoup plus intelligente qu'Onox, parce que Onox il se contente de la capturer, de l'enfermer et attendre qu'on vienne la délivrer quoi. Alors qu'elle, elle fout bien le bordel, elle tue l'arbre Beaujo parce que c'est lui qui nous donne des conseils, etc. Voilà, vous voyez, on retrouve les cœurs de cœur, etc. quoi. Puis d'ailleurs, elle possède Nehru, donc ça en sera encore pire parce qu'on peut pas tuer Véran sans tuer Nehru, quoi. Bon, ben on va se quitter là. Donc prochaine vidéo, une explication sur la tour noire de 1980 nos jours. Non, bon, voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, salut.